absolument que je vous montre un truc. Il y a vraiment un truc incroyable. C'est la première fois que j'en vois une. C'est unique. Ça, c'est l'XJ40 break. Alors, bonjour monsieur, mais attendez, j'ai une XJ40. J'avais vu une fois un break sur en photo. C'est la première fois que j'en vois une. C'est la vôtre? Oui. Mais elle est française? Bah oui. Mais il y en a eu deux, non? Trois, et vous l'avez, mais c'est merveilleux. Je l'avais jamais vue. Je vous suis, mais elle a été faite par qui? Je cherchais. On ne sait pas. On ne sait pas, c'est ça qui est fou, hein? Ouais. Ils ont repris la lunette arrière d'une autre voiture, mais par contre. Mais c'est dingue, c'est dingue. J'ai tous les modèles en Jaguar break. Ah ouais? Mais jamais de ma vie je pensais la voir. Oh là là, je vous. Oh là 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 là, mais c'est énorme. Regardez, regardez, regardez. Ah là, il s'en va, merde. Ah là là. Ah mais c'est unique, jamais vous ne la verrez. Il faut que je le poursuive. Il faut que je le poursuive. Je peux monter? Merci. Allez, faut me rattraper la Jaguar. Ah, la Jaguar, là, allez-y. C'est les uniques au monde. Ah là, c'est du direct que je vous fais, les gars. Génial. Je veux dire que je pense que vous êtes dans la scène depuis ce matin avec ça, mais. Voilà, vous pouvez descendre. Je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête. Merci, merci, merci. Génial. Mais génial de voir cette voiture. C'est unique au monde, jamais vous la verrez. On ne sait pas qui l'a fait. Ah là là, regardez. XJ6. Ça, c'est du scoop, ça. Chose unique, chers petits observateurs. Je suis à la traversée de Paris. Je la filme aussi avec ma caméra. Une XJ40 break. Il n'y en a eu que trois au monde. J'ai pu filmer le. Jamais vous n'en verrez. Extraordinaire. Mon modèle. Allez-vous? Je l'avais vu en photo. Je m'étais dit qu'on pouvait la voir qu'en Angleterre ou en. Bah, oui, et vous avez tous les breaks? Oui, j'ai l'XJ6 en break. Ouais. Il y en a eu 25 et j'en ai 3 sur les 25. Ouais. Vous avez une XJS Lynx, j'imagine, forcément. Bien sûr, la numéro 49, le seul français qui l'ait fait faire d'origine. Génial. Et celle-là, donc cette XJ40, mais vous avez mis des années à la trouver, non? Bah, je cherche toujours, j'ai que des breaks, des choses particulières. Parce que moi, j'avais 2-3 photos, mais je m'étais dit jamais que j'en verrais une. Et j'ai une Rolls break aussi, une Silver Shadow 2. Énorme. Et une Silver Spirit en corbillard. Là, ça vous vient d'où, cette passion des breaks? Je sais pas. Vous savez pas? Même quand j'étais gosse, je dessinais des voitures normales, je redessinais un break dessus. Là, j'en vois des voitures si vous voulez, mais là, de voir une XJ40 break, ça a été mon. C'est énorme, énorme. J'ai une Maserati Corbillard. Ah ouais, carrément. La seule au monde. Ah, mais c'est une quattroporte. C'est trop bien, c'est trop bien. Et là, à l'arrière, on avait un grand coffre quand même. Alors, ce qui est marrant, c'est la construction. Montrez-moi, parce que plus de batterie, mais je. Ouais. Ce qui est marrant, c'est la construction. C'est qu'en fait, ils ont élargi le cul de. Ouais, c'est ça, c'est ça. De l'XJ40 de ça, en fait. Ah oui, voilà, voilà, on voit. Parce que moi, j'ai une XJ40 4 litres. Oui, mais le cul, il est plus resserré. Ah, mais c'est beaucoup. Ouais. Ah là là. Et ils ont mis une vitre de jeu. Alors, j'ai jamais su de quelle voiture c'était, mais le haillon est en poly, mais il est mal ajusté. C'est énorme. T'as vu? Jamais de ta vie, tu en verras. Jamais, Thibaut. Jamais, 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 jamais.